Alors, sergent, c'est qui le pansement? Laissez-moi vous présenter votre nouvel infirmier, le soldat Harold Keller. T'étais basé où avant, Keller? À Fort Campbell. Campbell? Putain, pas un autre bleu! Mon Dieu, sergent, vous espérez qu'on va se trimballer dans la jungle avec un putain de puceau comme infirmier? Salut, et cette fois on est parti pour la vraie partie, le vrai Let's Play, de la partie 4. Donc, salut à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et The Fireflav. Et on est parti pour faire la guerre du 31 janvier 1968, là où les Vietnamiens ont voulu se suicider dans les tranchées. Et on est parti, plus motivé que jamais, à faire ce jeu presque impossible, même en facile. Le mode facile ici, c'est le mode difficile. Le mode normal, c'est le mode extrême. Et le mode difficile, c'est le mode réaliste. Donc là, voilà, cette fois-ci, nous n'avons pas un problème de manette. Nous n'avons pas... nous n'allons pas fail. Enfin, j'espère. Alors déjà, on vous offre un quart d'heure de pur FPS. Ouais. On se fait chier. On n'avance pas et on est dans des tranchées très mal faites. Et il y a déjà un mec qui est mort. Ne vous inquiétez pas, les armes. Thierry est vraiment costaud. Malgré que ce soit en plus. Mais Thierry, il est vraiment costaud, à chaque fois il meurt presque, il est à l'agonie, mais il revit. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Il y a un tank derrière ou quoi là? T'en es conscient? Tu vois ça toi? Merde, mais je me fais toucher par quoi là? Mais faut garder la mitrailleuse et faire n'importe quoi avec. Ça tue quelques Vietnamiens? Sans blague. Là, tu fais n'importe quoi? Ah là, il y en a un. Putain. Putain, mais... Il y en avait... C'est un best-of, de toute façon, là. C'est le troisième best-of. Ouais, on a fait deux vidéos, hein. Ce sont des best-of, ça va se transformer en best-of. Bon, voilà, je suis gentil, quand même. Il est où, Os? Merde, ouais. Mais ils arrivent de derrière, ces PD, là. Bah oui, ces PD, ils m'ont tué de derrière. Tu veux, vite? Voilà. Bon, bah, il est juste là, il est derrière. Oh, c'est des ninjas? Il est derrière toi. Bon, tant pis, je vais te soigner moi-même. C'est des ninjas, ils sautent par-dessus. Bah, c'est ça? T'avais pas vu avant? Bah, non, je suis impressionné. Allez, réveille-toi, soldat, t'es pas mort! T'es pas mort, mais t'es. Salement touché. T'es même handicapé. Une gueule cassée? Ouais, c'est vraiment efficace cette arme. C'est vraiment. La meilleure arme du jeu. Non, c'est même encore mieux qu'un lance rocket. Le tank, c'est le meilleur item du jeu. Item. Le tank, c'est cheaté jusqu'au bout. Je sais pourquoi il y a quelqu'un qui m'a tué avec une frayette, c'est les jaunes qui étaient derrière moi. Les jaunes et verts. Ouais. Ils ont une sale gueule, là, les jaunes et verts. Objet. Ah, enfin. Enfin. Oh, c'était pas très bon ça. Et ça, c'est le meilleur passage du jeu, parce que c'est là où on peut enfin sortir de cette tranchée. Et enfin, un open world qui s'ouvre. L'open world, c'est quand même encore plus réaliste que The Witcher 3, hein, dans certains points. Déjà qu'on peut tuer nos potes, c'est une révolution. Dans The Witcher 3, on peut pas tuer les villageois. Et on appelle ça un open world, c'est pas possible. Je pense que Junior va pas tarder à clamser. Déjà? Ah, il s'est soigné tout seul. Ah, c'est une bonne idée. Super hier. Non, mais Junior, c'est le boulet de l'équipe. À chaque fois, il. Non, non, non. C'est. Non. C'est le joueur humain qui est le boulet de l'équipe. C'est bon. Allez, mais crève. Mais crève, t'aimes pas voir le ciel, voilà, c'est lui. Le ciel, c'est pas mal. Ça va.
dégueulasse. Je dis ça pour qu'il crève. Une grenade de frag. Voilà, il y a mon pote qui m'a aidé derrière. Merci, Os. Os qui est très résistant. Ça, c'est un pote. Voilà. Ouais, mais... Je savais qu'il y avait un petit malin qui se cache derrière, qui se cachait derrière. Il faut suivre la flèche grise. Firefly n'est peut-être pas perdu. C'est... Non, je suis la flèche grise là. Des figurables. C'est incroyable, Firefly. Firefly appelé aussi comme, il a aussi un deuxième pseudo, Roronoa Zoro. Hein? Le pseudo. Pour les fans de One Piece, ils vont comprendre. Moi, je comprends. Roronoa Zoro est un personnage qui se perd tout le temps. Et tu crois que nos téléspectateurs connaissent One Piece? Je ne pense pas qu'ils connaissent One Piece et Conflit de Vietnam en même temps. C'est compliqué. On peut pas être fan des deux. Fan de Conflit de Vietnam. Enfin, celui qui me dit qu'il a que Conflit de Vietnam et One Piece dans sa vie, c'est grave. Parce que ça voudrait dire qu'il a pas Astérix et Obélix. Attention, il y a des cavaliers là, Firefly. Des cavaliers? C'est la cavalerie. Tu l'avais fait la blague avant. Mais bon, elle sera dans le best-of, donc ça ne servait peut-être à rien de la refaire. C'est pas assez fort, il n'y a pas assez d'ambiance. Oh là, oh purée, ce vieux. Comment il est tombé comme une vieille chaussette. Putain, là, il y a du jaune. Là, on va pouvoir faire de la purée de jaune. Attention. Alors faut surtout pas tirer sur nos potes parce que des fois on peut pas les tuer. C'est ce qui m'est arrivé avant. Je pense que je suis pas loin du complexe intérieur. Il me tire à la moitié dessus comme un con. Putain, mais il y a un... moitié dessus comme un con, mais... Bah voilà, bah, ça c'est fait. Je vais vous finir au coup par coup, les gars. J'ai plus de balles. Firefly n'a plus de munitions. Faut l'aider, vite. T'es avec moi là ou... Oui. Ouais. En même temps, il y a beaucoup d'ennemis. Je sais pas combien, il y a toute une armada là, c'est le bordel. Bon bah, il veut plus viser. Viseur automatique, réveille-toi. Non, il y a plus personne. En fait, c'est tellement une bouillie de pixels que je vois pas trop et donc... quand il vise quelqu'un, je comprends qu'il y a un mec. Là, je vais spawner. Mais je l'ai soigné là! Ça marche une fois sur 10. Ça marche mieux dans Desert Storm. C'est incroyable de régresser quand même, comme ça. C'est les choses de la vie. Pilot Games ont régressé. Je pense qu'ils auraient dû s'allier à Infogrames à un moment donné pour éviter ce redressement. Ouais, ce régressement. Et permettre un redressement. Et ouais, c'est grâce à Infogrames. Bon, on va voir la flèche blanche. Infogrames, l'ami des gamers. Enfin... Tout le monde connaît Infogrames grâce à Joueur du Grenier. À part ceux qui ont joué à un jeu Infogrames avant la vidéo de Joueur du Grenier. Ouais. Et ils se sont déjà rendu compte que c'était de la merde. Super dialogue! Allez, soldats! Allez, vu FPS là, parce que là, on est dans Call of Duty là. Mon dieu! Oh merde, je vois rien! Je me fais canard. Mais c'est moi! Ah, c'est toi! Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en FPS! Call of Duty! Pourquoi il se soigne pas là? Mais what? Attends. Ok, Ragman il utilise des pansements dans le vide. La vue FPS est horrible. Je sais pas comment on fait pour jouer avec ces vues. C'est quand t'as envie de voir une magnifique arme en 2D. Ça peut être agréable aussi quand on... Voilà, c'est agréable aussi. Putain, là c'est impossible. Ça rend une meilleure sensation quand tu viens de boire du whisky. Pas du whisky. Pour être bien bourré. 50 degrés dans la gueule. De l'alcool à 60%. Voilà. Pour désinfecter les blessures.
Oui, avec du pansement, voilà. Les pansements. Et voilà la magnifique baraque. Oh là, ça bug. Ça bug un peu quand on est à côté de cette baraque. Tellement bien modélisée que on croit qu'on est sur PS1 presque. Non, exagérez pas. Un peu de respect pour ce jeu. Vraiment, quand tu compares ce jeu-là à God of War sur PS2, une petite différence. Petite. Alors là, maintenant, c'est là où on connaît pas trop ce qu'il faut faire. C'est pas trop ce qu'il faut faire. Et c'est là qu'il faut sauvegarder. Voilà, aussi. Très important. Et là, on se débrouille bien. Attends, oh, 10 minutes! Attends, ça mérite un petit applaudissement. En 10 minutes, nous sommes arrivés ici. Voici un noob qui s'applaudit tout seul. Voilà. Il fallait refloper le noob, mais il veut pas trop le montrer. Il est pas fier. Mon surnom est le professionnel. Du gaming occasionnel. Noobisateur. Bon, est-ce que l'arme on pourra l'utiliser? Non. Lance-roquette, des fois il veut le prendre, des fois il veut pas le prendre. Non, mais est-ce que tu veux le prendre cette fois-ci? Le lanceur au but là. Ah, je l'ai peut-être réussi à le prendre. Attention. Oh oui, j'ai un lance-roquette. C'est magnifique. Sachant que j'ai aussi les fumigènes qu'il faut balancer les balles. Ah non, il me demande pas encore de balancer. C'est une arnaque les fumigènes. C'est pour défoncer. C'est pour barricader en fait les chemins qu'il y a. C'est là où ils popent les soldats. C'est là où c'est super mal fait. Ils te font croire qu'ils viennent des tranchées là-bas, là, mais en fait ils popent juste devant. Et donc il faut barricader, donc lancer un gros missile ici. Pour que ce soit. Pour qu'on soit bien défendu. Pour qu'il y ait un mur de pierre. Avec une magnifique transition. Pourquoi moi je trouve pas de lance-roquettes? Il y en a un deuxième normalement. Il y en a un là. Ah, à côté de mon. C'est ça, là. À côté de mon fusil qui fait chier. Donc on peut pas prendre. Non, faut être intelligent. Faut diriger son curseur. Là. Et ça marche pas. Non, c'est parce que je suis pas assez près. Et là. Ah oui, voilà, il pop d'un coup. Voilà. Maintenant, je vais faire un carnage. En essayant de pas viser mes amis. Putain, ils ont encore envie. C'est le seul jeu où tu dois truffer de plomb les ennemis à fond. C'est vrai que l'hélico va bien trouver. Non mais l'hélico il vient que quand tu balances les fumigènes. Et il faut balancer les fumigènes. C'est que l'hélico il est super con, c'est que lui il tire juste là où il y a les fumigènes. Et donc du coup on peut c'est être quoi, à côté. Ce bordel. Donc du coup on peut être à côté, donc c'est la merde. Faut bien viser avec le fumigène. Mais je sais pas pourquoi je trouve pas mes fumigènes. Ah c'est bon. Là voilà, j'avance comme un teubé. Là je balance par là, normalement ça doit être bon. Donc après il va mettre 3 pompes à venir et il va pouvoir balarder sa caisse. Ah c'est bon. Bon il a juste tiré à la mitrailleuse, ça a tout explosé. Mais les cibles elles sont indiquées sur la mini-carte. Et voilà c'est barricadé. Ah ouais maman je sais. Mais quel esprit de déduction incroyable. On a compris ça au bout d'une heure. Et où est l'autre? Il est derrière. Ah, il est là. Putain, mais Os, là, tu vas pas te faire... Purée, il s'est encore fait Os. Il fait chier, Os. C'est bon, regarde, je suis trop fort. Mais il est où encore, lui? Faudrait qu'il lui convienne. Putain, c'est quoi cette IA? Si, voilà, c'est par là qu'il faut balancer. Bah là, je vais balancer là et. Mais non, t'as balancé une grenade, je pense. Non, je vais balancer un fumigène. Voilà. C'est tout rouge. Et oh merde. Il a balancé où? Bah là, à l'entrée, c'est aux entrées qu'il faut lancer, il faut être intelligent. Oh merde. Ouais.
Ouais, mais tu as balancé trop proche. Encore non, deux regarde. Cibles. C'est grâce à moi, c'est grâce à moi, regarde. Ouais. Et moi, pouf, ça le met plus aussi. Il est venu aussi. Et voilà. Parfait. Synchronisation. En fait, le jeu est hyper simple. On va réfléchir. Viser les chairs, c'est quoi le bordel? Mais où est... Bon bah, os, il s'est fait os encore. Ah mais non, il faut avoir le char, là, il y avait un char. Il disait viser les chairs. Les? Oui. Les? Ça me fait peur. C'est impossible déjà avec un char, donc les? Attends, mais il est où ce con? Je le vois pas. Ah, il est là. Je l'entends, mais je le vois pas. Oh putain, il m'a tué en une seule fois. Bah, c'est normal, c'est un char. Mais non, mais tu peux. T'es pas obligé de mourir en une seule fois face à un char. Tu peux être décapité, mais tu peux pas être mourir. Voilà. Tu peux pas être mouru. Donc là, je me suis visé. Il est où ce char? Il se cache. Mais je fais le tour. Je le trouve pas. On va faire que je trouve chier. À part un ennemi là, donc faut que je change d'arme, donc ça me fait chier. Voilà. Putain, c'est. Il vise mal là, le junior. Ah, mais si. Ah. Bon, d'accord, le char il s'est barré. Putain, pourtant on entend un bruit là. C'est chelou. Putain, mais il est où? Oh putain! Il y a toujours un point de visée là. C'est quoi ce bordel? Oh là. On voit rien, c'est pixelisé, c'est moche. J'ai plus de pansement, faut que tu viennes soigner. Bah, je suis mort. Le chat, il m'a eu. Il est où ce char? Je me suis tiré par quoi? Vas-y. Super! Non mais je. Quoi? Il a rien senti? J'ai l'impression qu'on tire en arrière avec le bazooka, c'est bizarre. Ouais, on tire en arrière, c'est. C'est conflit de. C'est le futur! Hein. Conflit de Vietnam. Des soldats qui tiennent à l'envers le lance-roquette. C'est peut-être parce que la première mission où tu devais te former, tu l'as mal fait, donc après il tire en arrière. C'est un jeu très intelligent. C'est très bien fait. Mmh. C'est bien parce que Firefly essaye toujours de remonter l'estime du jeu. Est-ce que j'ai un bazooka en fait? Ah non, je l'ai plus. Là, moi j'en ai. Vas-y, ramasse. Oui. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bon, il a voulu au bout de 3 clics sur la flèche gauche et croix, c'est bon. Voilà, je ramasse des conneries, je sais pas à quoi ça va me servir. Tiens, des grenades! Enfin, des fumigènes. Ça peut attendre les fumigènes. Non, là, je suis pareil pour les fumigènes. Doucement, mon gars. Tu finiras cette mission, quoi. Je vais la finir parce qu'elle est nulle. Ça m'énerve. Les chars, ils sont invincibles dans celui-là. Dans Desert Storm, tu peux les détruire. Je comprends pas. Là, je balance une roquette, il a rien senti et je suis mort. Surtout que quand on tire avec le lance-roquette, il met 3 secondes pour tirer. T'appuies et t'attends 3 secondes et pouf, il tire. J'ai pas de commentaire pour ça. Voilà. Je trouve pas de vois, on suit, on est potes, regarde. Hop, on est copains. Ouais. Mais moi, je cherche des Vietnam. Ah oui. Les Vietnamiens. Les vieux cons. Les vieux cons. En fait, faut faire. C'est peut-être l'heure de leur pause. C'est la pause café. Et allez, attends, je vais déjà marquer moi. Moi, je suis prêt. Oh oui, c'est bien. Speedrun. Speedrun de config Vietnam. Speedrun de config Vietnam en vue FPS. Dégage, os, sinon tu vas te faire os. Il est juste à côté de l'explosion.
Bon alors, faut que je trouve, mais... Ouais, t'es, je te soigne là, parce que... Je sais pas ce que tu fous, hein, mais tu fais n'importe quoi. Oh putain, salope. Ah, ou quand il y a un char, faut se cacher. Je sais pas, moi. C'est où les fumigènes, déjà, je les cherche. Voilà, trouvé. J'en ai 10. Donc avec ça, si je me plante, il y a un petit problème. Ah, il y a les Vietcong avec leur magnifique chapeau. C'est les vacances. Ah mais moi je crois qu'ils sont morts. Encore deux cibles à détruire. Il y a assez peu de cibles avant. C'est-à-dire que là, on n'est pas rendu plus loin. Il y a un mec qui gueule. C'est bon, c'est fini. Non mais l'objectif principal. C'est l'heure des chars là, non? Ah mais avec les chars faut balancer les fumigènes. Ah oui, bah quoi que ça se déplace un char. Bah oui mais ils sont un peu cons dans le jeu. Ah putain. Mais comment le char il peut passer alors qu'on barricade tout? Plus qu'une cible à détruire. Mais non mais c'est un hélicoptère qui lâche de du ciel quoi. Ré. Ils sont morts d'un coup comme ça. Ok. Si tu veux. Voilà. Mais c'est quoi ce jeu de merde? Bon, on va faire Mario Kart double dash maintenant. Bon, là, il n'y a pas d'échec. Mais on y est presque. Charles est parti. Non. Si, si. Tout à fait, tout à fait. Non. 21 minutes de vidéo pour découvrir cette magnifique mission. Et ça va continuer. Cette mission est horrible. Magnifique bug et c'est parti. La classe. Fire pet. Bon bah Os il va rester là. S'il fait n'importe quoi quand il me suit. C'est mieux qu'il reste. Donc sont où les lance-roquettes là? On est en train de se faire défoncer le commandant là. On s'en fiche. C'est qu'un commandant après tout. Voilà, il change là. Alors là, il faut faire flèche droite, je sais pas pourquoi. Ils disent même pas dans l'entraînement. Il n'y a pas trop de logique dans ce sens. Attention! Je vois personne, mais attention quand même. Il se passe pas grand chose, à part le puceau qui tire. C'est je fais une reconnaissance. Regardez, je suis là, c'est moi. Je suis en éclair. C'est moi, je fais le con. Putain, mais c'est quand qu'il crève? C'est super mal fait. Bon, c'est le moment de foutre les fumigènes. Je crois pas, je vais mourir. Ouais, c'est ce que je vais faire. Vite, vite. Faut que je me casse. Quoique, je pense pas que ça a été trop... Mais il est bourré ou quoi, le colonel Ragman? Il a balancé à gauche le truc. Bon, j'espère que... Ah mais c'est bon, ça compte comme bon quand même. Ils sont sympas. Je touchais par quoi là? Je sais pas. Ok, il s'est mis à cramer tout seul mon personnage. Non mais je pense qu'il y a de la magie dans ce... dans ce jeu. Là, il s'est mis à cramer. Des mages. Ouais, il y a des mages. Ils sont puissants les mages quand même. Allez, relève-toi. Faut que je récupère des trucs fumigènes. Mais comment... Voilà, ça va être bon. Ouais, je vais faire les futurs trucs aussi. Tiens, on va en balancer un là. On va en balancer un là. Ça m'énerve. C'est bon. Ouais, on regarde, on avance. Encore deux cibles à détruire. Et on se retrouve avec le char. Le char invincible. Ouais. Qui te one-shot comme ça. Oui.
avec de la magie vaudou parce qu'il t'a pas touché, mais quand même. C'est plus fort que la magie vaudou. C'est ma magie conflit. J'ai balancé partout, donc là-haut, il y en a plus. moi j'ai plus de fumée. Ah si, voilà, il me dit là maintenant. Voilà. Attends, je sauvegarde. Parce que j'ai entendu un bruit de char. Hein. On n'ira pas jusqu'au bout, je pense. Ah, franchement, il y a... Il n'y a plus qu'une sauvegarde. C'est bon, il n'y en a plus. Ouais. c'est capoute après. Mais c'est mieux, on a fait ça avant le char. Oui, je sens que c'est le dernier truc. Le char, et puis après, c'est fini. Pour la mission. Ouais. Mais il y a un quota de sauvegarde pour une mission. Oui, pour une mission. Ouf, ouais. La prochaine mission, on en aura deux aussi. Oui, sinon, c'est un jeunesse, là. C'est plus un jeu PS2. Il n'y a pas de sauvegarde, quoi. Merde, ça, c'est le char. Ok, bon, bah, ok. Mais il tire n'importe où, de toute façon ça marche. Putain, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce jeu de merde? C'est super mal connu. Non, mais il a le tir automatique. Tu vois, il est redirigé après. Ah. Oui, en fait, c'est la roquette qui bouge toute seule. Ouais. Ça, c'est la tête chercheuse, le truc. C'est pas de bol. Et puis en plus de ça, il a aussi une mitrailleuse. Aussi, il y a pas assez. Bon, moi je vais me cacher. Ah bah ouais, il est là ce con. Il est caché d'habitude là il est. Putain. Attends, je me cache là moi. Bah oui, mais t'as beau te cacher, ça sert à rien. Oh si c'est Féos. Arrête avec cette bague de merde. Regarde, je vais me cacher derrière les remparts là et ça. Alors, regarde, il y a Nico qui passe. Et ça a rien fait. Ah si, objectif principal. Ouais. Moi j'aime bien me cacher pendant ces moments. Si j'ai balancé fumigène sur le. Merde. Il va falloir que j'aille chercher Chiri. C'est pas le moment de saigner, soldat. C'est le moment de crever. C'est le moment de la pause café. Magnifique. Tu l'as entendu? Oui. Il était discret. Hein. Pour une fois qu'il était discret. Bon, faut que je trouve Chiri là, je sais pas où il est. C'est lui là? Chiri Burkin. Baissez la tête, les mecs! Ouais, parce que tu nous as tués plusieurs fois, toi. Alors, où sont les pansements de campagne? Moi j'ai plus de pansements. Avec lui, si, il me reste 4. Je vais soigner ton petit Chiri là. Il est où? Ouais, il est là. Oui, il est soigné. Et c'est la gagne. C'est incroyable. Je sais pas comment on a fait Firefly. En fait, faut à chaque fois soigner ces hommes. Faut qu'ils soient en bonne santé pour repartir pour la mission suivante. Ils sont en train de se moquer de nous en mettant 14 minutes. Durée de la mission. Où ça? C'est peut-être durée de la mission, mais sans compter les morts. Ah, mais je pense que c'est un record. Non mais c'est 27 minutes en vrai. Oui. Ah les statistiques. Ah il faut faire. On s'en fout. Non, bah non. Faut qu'il soit plus fort de soldat. Ouais, c'est vrai. Non, plus fort. Hein. Ce n'est que j'utilisais jamais ça dans Desert Storm. Et ça sert à rien. J'avais fait une partie où je l'ai utilisé et bof. C'est pas très. Faut pas trop la différence. Médecin! Faut l'évoluer en médecin, lui. En fait, je comprends pas comment on fait. Mais si, mais c'est chelou, en fait. J'ai fait attribution auto, comme ça. Oui, voilà, c'est attribution auto. Merde. Ouais, c'est qu'est-ce que... Attribution auto. On comprend rien, en fait, à leur truc. Je crois que c'est R1 change de spécialité, c'est ça. C'est parti. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il ne reste. Oui, mais on s'en fout. On s'en fout de ce mess, ça sent bien, tu sais. Merde, mais tu... Firefly! Pourquoi t'as fait continuer directement? On pouvait sauvegarder.
C'est pas grave, c'est le challenge. Mais non. Et on va avoir une super cinématique. Ouais. Terminé. T'es là, 30 secondes. Sûreté enlevée. C'est n'importe quoi, mec. C'est n'importe quoi. Ça, tu peux le dire. Ok, réveille, ça trouve l'heure. Quelle heure? Reste avec moi. Équipe bleue, commencez votre approche. Magnifique, équipe bleue. Nettoyez la zone pour le second posé. Affirmatif, leader bleu. Bon, bah ça promet des échecs. Mauvaise lune. Bravo pour celui qui a trouvé tous les titres. C'est vraiment bien choisi. C'est très poétique. Là, c'est très poétique comme image. Et c'est quoi la dernière mission? C'est puceau. Puceau pour toujours. Puceau pour toujours. Tu respectes trop le jeu, toi. Alors, mini carte. On doit être ravitaillé. Faut pas tirer. Tant pis. Moi, j'aimerais bien me mettre de l'eau. Putain, je commence à puer mes yeux, je suis désolé. Firefly ne peut aimer un jeu. Ah, ça va trop loin. Mais tu sais, il aime tous les jeux, même les jeux infogrames. Comment est-ce possible? C'est un chinois, ça. Oh, regarde, j'ai une super vue là. Merde. Oh, ça arme trop, c'est chiant. Et après, on dit que la génération PS3 360 c'était pas terrible. Que se passe-t-il? Ah, il y a un maboule qui tire partout. C'est pour éliminer toute trace de vie dans ce jeu. Pourquoi j'ai une barre de vie verte maintenant? Parce que t'as évolué. Ah non, c'est que je perds de la vie. Ah, oui. Je suis empoisonné, je crois. Ah bon? Il y a des empoisonnements? Non! Il y a des empoisonnements dans le jeu. Vous avez marché sur une plante qui vous a empoisonné. Mais c'est ça, j'ai marché sur une plante et il s'est mis, je sais pas pourquoi. Il me dirait qu'il a eu mal. Ce jeu est vraiment super bon. Il s'est pris un ortie. Ouais. Bon bah je suis mort. Tu vois, je les ai sélectionnés. Voilà. Fin de la mission. Et on va recommencer mission. Non. Redémarrer. Ouais, mais le problème c'est que si... Le problème, c'est qu'on n'a pas sauvegardé avant, à la fin de l'autre mission. Oui, bah, va falloir qu'on gagne cette mission et qu'on sauvegarde. Voilà. Voilà, on est en plus encore. Mais... On est obligé de faire une sauvegarde là, d'utiliser une sauvegarde là, quoi. Oui. C'est nul. Après, on n'a plus qu'une sauvegarde, quoi. Ta gueule. Pas parce que tu me dis. On va regarder la cinématique cette fois. Faites avec le jeu. Ouais. On dirait qu'il tire à l'envers aussi. On sauvegarde. Non? Oui. On est un peu obligé. C'est vrai qu'au début ce jeu c'est bien, mais après c'est devenu un peu trop répétitif. Ouais. Tu vois que Desert Storm c'est bien mieux. Bah, c'est que les missions elles se ressemblent pas trop, quoi. Dans Desert Storm. Là, c'est vraiment. T'es dans la jungle, dans des tranchées, jungle, tranchée. Camp de puceaux. Camp de puceaux. Et voilà. Et c'est fini. C'est la merde des merdes. Attention, on peut être empoisonné, faut pas trop avancer, les enfants. Une brindille vient de vous empoisonner, faites attention. Attention, vous sortez. Oh non, une petite ronce! Ça m'énerve, Junior, il a que des coups par pouce. Quoi. Oh non, j'ai mangé du poison, je sais pas pourquoi! Bon, on suit, je te suis à la trace. Je te couvre! Merde. Eh, mais je crois que c'est une mission où on canarde et puis c'est tout. Ouais. Donc je crois que ça peut être très dur. Parce qu'il y a d'autres missions. Parce qu'il y a une mission un peu comme ça là, dans Desert Storm, là, où tu commences déjà dans le feu de l'action et puis t'es dans une petite arène comme ça. Là. T'avances pas trop? Je voulais me cacher dans les bambous, mais on peut pas passer.
Je suis mort. C'est quand il y a de la baston non-stop. Ah, quoique. Faut peut-être avancer. Il n'y a pas de mur invisible. C'est une révolution. Je crois qu'il a balancé une grenade, ce coup. Putain. Bon, moi, je suis en train de me faire baiser. À voir. Oh, il y a une forêt de bambou, regarde. Oh, il y a un mec qui a disparu devant moi, comme ça. D'accord. Merde. Ah oui, d'accord. Et je vais là, je crève tout seul. C'est la joie des murs invisibles, je crois. C'est normal. Je suis allé dans un endroit qu'il fallait pas. Les développeurs disent non, stop. On n'a pas modélisé ça. On n'a pas modélisé ça, n'y allez pas. C'est votre dernier mot. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre. Bon bah, moi il est mort. Ça faut pas trop que j'avance du coup. Ah voilà, soigné. Putain, mais c'est quoi, y a un gars qui me tire là. C'était peut-être juste des. Putain, mais à chaque fois que j'utilise un pansement de campagnard là, allez, c'est fou ça, mais c'est un tireur isolé, c'est quoi ce bordel? Mais il te voit il y a des kilomètres. C'est n'importe quoi. Même quand on lève. Putain. Plus on ne voit rien, toutes les textures sur son, mais on a une couleur, c'est bordel. C'est granuleux, c'est. Il y a trop de végétation. C'est un FPS bac à sable. Voilà. Comment va Junior? En direct, on est en direct avec Junior, il est presque mort. Ça va pas tarder. Ah purée. On revient vers Chéri. Comment va Chéri? Il chie dans son froc, c'est fou. Allez, c'est bon. Quel commentateur de renom, c'est incroyable. Commentateur sportif. Commentateur de guerre. Ah, moi, il se passe plus rien. Taisez-vous, soldat. Il gueule en disant ça. Je vais dans la forêt de bambou. Mais Os, il a un peu une arme de merde. Donc je préfère la prendre. Faut aller où, y a pas d'objectif. Quand y a pas d'objectif, t'avances. On va pas être loin l'un de l'autre. Oh, faut faire gaffe là. Parce qu'il y avait des mines, je pense. Ah ouais. Et comment tu les remarques au sol? Bah, j'ai explosé tout seul. Objectif. La mission est réussie. Ah, c'est quoi ça? Il m'a pas foulé. Ah non. Arrêtez! Ah! C'est qui le fou qui tire? Ami tué. Ami tué. Ouais, mais c'était un qui était blessé. Tu vas manger ses souffles. Est-ce qu'on pourrait être ensemble à un moment donné pour unir nos forces? Oui, j'ai trouvé un de tes soldats. Moi, c'est quoi ça? Moi j'ai trouvé un gars con. C'est quoi ces trucs là? Regarde mon écran. Oui, bah c'est ce que je te dis. C'est bizarre, je savais pas ce que c'était. Je pensais qu'on pouvait être touché par ça. Bah c'est ça qui m'a touché peut-être avant. Non. Dans ce jeu, vous trouverez des rats radioactifs. Ils sont très dangereux. Putain, il est chiant avec ses coups par coups. Faut que je sois mon pote là. Ouais, surtout que moi j'ai pas tout le temps des pansements à faire faire. C'est derrière toi, frère. Ils mettent échange alors que je veux soigner. On va faire un échange de cartes Pokémon. Non, mais c'est pas lui. C'est un Viet Cong. Tu vois pas le chapeau. Ah, on peut soigner aussi les Viet Cong. Non. C'est bien fait. C'est bien fait. Mais alors, il est où ce coin? Mais il est là, regarde, il est ici. Est-ce que tu vois le con tirer là? C'est moi. Allez, il est là. Arrête de me tirer dessus. C'est pour moi qui te tire dessus. Et pas moi qui tire dessus. Allez, chier, il est reparti pour un tour. Comme en l'an 40. Bon, je vais me soigner un peu plus. On sait jamais ce qui peut arriver dans ce jeu.
Mais il y a des mecs là. Est-ce que t'as déjà vu des femmes? Ils nous voient de travers. Hein? Et comment tu veux esquiver ça là? Moi je suis mort. Les deux ils sont morts. En fait c'est pas trop une bonne idée d'à chaque fois qu'ils suivent. Enfin que l'autre suive à chaque fois. C'est qui lui? C'est un mec qui est capote et qui bouge quand même. Je vais en arrière là. Mais non 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 c'est bien là. C'est dans les bambous là? Ouais c'est dans les bambous. Il est bloqué. C'est un rocher qui est bloqué. Tu sais que Pilot Games ils ont fait un autre jeu là, c'est. Comment ça s'appelle déjà? La grande évasion là. Ah oui. Reprenant le film, avec Steve McQueen et. C'est raté. et le jeu c'est de la grosse godasse. Et tu peux te faire bloquer par des rochers quand même. Tu peux être bloqué par un rocher. C'est pas le premier jeu de ce genre d'ennemi. Les rochers sont des ennemis redoutables. Dans les jeux Pilot Games, c'est toujours des ennemis redoutables. Bon, ça doit être une mine. Il y a des mines partout. En plus, elles sont invisibles, quoi. Attends, je vais lancer une grenade, ça se trouve, les mines vont exploser. Ouais. Mais ça m'étonnera. Pensez à ça aussi. Vous tirez n'importe où, par terre. Bon, ça gaspille des balles, quand même. Oula. La grenade a été plus puissante que d'habitude, donc je pense qu'il y avait une mine à côté. On peut en lancer une plus loin. C'est très stratégique, vous avez vu ce jeu? Ah ouais, il devrait y en avoir une. Bon, là, il faut que je le soigne. Ah bah c'est bon. C'est moi, ouais. Merci. Je suis ton sauveur. Merci, frère. Bon, Ragman, il va rester derrière, parce que bon, si jamais je crève, je veux pas que Ragman, il crève en même temps. S'ils avaient mis un Y à la place du G, ça aurait fait Ragman. D'accord. C'était la petite info du jour. Ouais, je pense qu'il va falloir qu'on lance. Vas-y, lance des grenades, toi, parce que moi j'en ai pas sous plus. C'est qui tire? Je sais pas. C'est peut-être la musique du jeu, là. Si on faut reculer. Ouais. La musique du jeu. C'est du métal. Voilà, je l'ai tué. C'était lui. Ouais, il y a des bons. Il y a des bons jaunes. Bah, il me suit. Ah, c'est un ami à nous, rien. Mais arrête Et maintenant, c'est plus notre ami. Il fait en plein. C'est pas de pitié dans ce monde de merde. Bon, allez, on va rentrer dans le temple. Au moins, il y a un truc qui la plaque. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est les plaques qu'ils ont autour du cou, les Américains. Ils ont leur matricule dessus. Alors, on pourra prendre sa bagnole. On va peut-être voir Ian and John si ça continue là. Ouais. Harrison Ford est quelque part. Ah, tiens, il y a un autre mec. Tu dis quoi toi? Tu dis quoi le crâne d'œuf? Tu parles à moi? Tiens, moi je prends ses plaques. Je sais pas, il est mort tout seul. Je lui ai parlé et puis il est mort. T'attardes pas sur ses coups. Un hélico! Oh, ça bug! Ça bug! Y'a un hélico! Y'a un hélico modélisé en 3D! Vous vous rendez compte, en 3D! Bon, il n'y a pas beaucoup de texture dessus, mais c'est en 3D! Jeu de 2005! Il est où, Os? Os, c'est moi. Ah oui. Il faut avancer tout doucement. Se faire avoir par les mines à côté des bambous. Là je pense qu'il y en a pas. C'est un terrain balisé. Moi, je vais en lancer une aussi. Parce que des fois c'est un coup de chance. Oh merde, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai lancé contre un rocher. Et... Ouais, elle a failli revenir vers toi. Non, c'est pas aussi réaliste, attends. Oh, une arme. Mais qui a laissé tomber son arme? Attends, on est déjà passé là alors? Non, c'est... Des bonus. Des bonus. Quand on tue des mecs, une fois sur deux, ils lâchent une arme. Non, je suis bien là. Ils sont cachés dans les arbres. Ah ouais. Je pense qu'il y avait le cachet. Qu'est-ce qu'on ferait sans la visée automatique? Merde. Eh bah...
On aurait fait la mission. Hein. Alors, où est chérie? Il est là. Et je vois personne. Arrête de te débattre, tireuse. Ils ont tous la même voix, je pense. Ils ont tous la voix de Patrick Bourne. Ouais. Monter. Démonter. Et tu prends une arme? Monter. Démonter. D'accord. Monter. Démonte-la. Monte-la. Démonte-la. Il faut aller où? Ah. Ah non, je pensais qu'il y a un bambou qui m'aurait bloqué, mais non. Je regarde toujours par terre. Dans ce jeu, il faut toujours regarder par terre. Mais je pense que tu verras rien. Non, mais il y a des mines. Attention. Ah, mais est-ce qu'on les remarque? Oh mon dieu! Ah non, c'est des souris. Au début, je pensais que c'était des scarabées. Moi aussi, oui. Ah, la plante. Vous avez été touché par un ortier. L'ortier, non! J'en ai un ortier! Mais comment on se soigne? Ah, vous êtes où, là? Ah, c'est bon, il perd plus de vie. Du cannabis! Et il faut aller où? Je sais pas. Ok, il y a un mur invisible ici, donc faut pas aller là. Là, il y a les super orties, donc faut pas aller là. Je sais pas. Nous sommes déjà à 46 minutes. Nous allons bientôt arriver. 46 à... minutes. C'est énorme. 5h32. Elle est pas à l'heure, t'as... Hein? Oui, oui, mon portable, on s'en fout. 5h32, ça va être... C'est mon vieux portable. Qui fait un meilleur son que mon nouveau portable. Pour le micro. Et oui, Je suis revenu à l'hélicoptère, je suis revenu en arrière. Bon, j'ai fait tout le chemin inverse, en fait. N'achetez pas de Motorola G si vous voulez avoir une bonne qualité niveau micro. C'est quoi cette grotte? Ouais, non, il n'y a rien là. Putain, quel bordel. Alors, je vois deux Mongoliens qui essayent de viser le mur, voilà, donc je les ai tués. Je me demande comment les gens vont réussir à voir notre vidéo. Déjà, qui recherche conflit de Vietnam sur YouTube? Oui, déjà. Parce que la seule chance faut, de voir. Faut écrire Desert Storm, là, ça, c'est de suivre l'actualité sur la chaîne. La seule chance de voir cette vidéo. Oui. Et on a pas beaucoup qui suivent l'actualité de la chaîne. Il y a pas mal. Il y a quelques abonnés, mais on a presque aucun qui regarde. Ouais, c'est des abonnés, mais comme ça, quoi, pour le fun. Ils s'abonnent. Ça me dit rien, cet endroit. Ah, il y a une arme par terre. Il y a des orties, attention. Ah, mais si, en fait, ça me dit quelque chose. Ouais, j'ai trouvé des ennemis. Ah, ça veut dire que t'es dans le bon chemin. Suis-moi, mon frère. Parce que je suis allé là où il y a des bambous cassés, là. Découvrez le nouveau film, Maître Puceau. Développé... avec les graphismes de Desert Storm. Le conflit du Vietnam. Un Desert Storm, ça va, parce que c'est dans le désert. C'est... ça passe, hein. Mais quand c'est dans la forêt, dès que c'est dans la forêt, leur moteur graphique, on voit que c'est un peu dégueulasse. Putain, on est où? C'est quoi ce bordel? Faut aller où? D'accord, je suis revenu à l'hélico. Bah, moi aussi, j'ai fait ça. Là, je suis rendu au statut, là. Au statut Maya. Ah, mais il n'y a pas de carte, quoi. Ah, il y a un lance-roquette. Si on met select. Oh, mais c'est la magie vaudou. Il y a une carte, en fait. Ben, j'y comprends rien à cette carte. Mais elle est moche. Il vaut mieux pas suivre la carte. Faut aller en haut. Et nous sommes là. Bon. Je vais ramasser les munitions. Attends, je vais re-regarder la carte pour voir si.
J'ai l'impression que j'ai trop avancé. La carte est énorme. C'est GTA 5 6 GTA 6 Conflux City. Et il y a un autre Putain mais j'ai plus de balles. En fait je me prenais une sans arme. Attention. Bon t'arrêtes avec tes conneries. Mais je regarde là fout. Faut aller à gauche après. Ouais je suis en train de me faire tirer dessus donc... Ok. Ça, c'est doit être les grenades. Tu t'es suicidé. Non, c'est normal. C'est bugué. Bon bah, t'en payes. J'ai l'impression qu'on est déjà passé par là alors qu'il y a des ennemis, c'est bizarre. Attention! T'es à côté de moi là? J'arrive pas à appuyer sur celle. Donc. Il faut aller. Déjà, je suis dans le, vers le bon chemin. Toi aussi, Firefly. Quoique, faut que t'ailles à droite, toi. Et moi, faut que je continue tout droit. Voilà. C'est bien, on s'y retrouve. Ah, voilà les pansements de compagnie. Hein. On va pouvoir soigner. Attention, une arme par terre! Elle risque d'exploser! Ne vous inquiétez pas, c'est une arme conflit Vietnam. Merde, merde, putain, merde! Merde, merde, putain, merde! Voilà. Le nouveau single de l'été! Merde, merde, putain, merde! Putain, mais c'est quoi? C'est un truc radioactif ou quoi là? C'est les statues qui ont un pouvoir? C'est vous là? Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est toi. Mais pourquoi il est mort tout seul lui? Bah parce que je lui ai tiré dessus. Je suis là, regarde. Il est Sony. Mais... Quelle vraie lopette! C'est quoi ce bordel? Ça explose tout seul, attention. Quoi? Mais je me fais toucher par quoi là? Mais c'est toi qui me tue. Il est puissant ton fusil à pompe là. Ouais, t'as que ce mot, ok. Bon alors, est-ce que j'ai des pansements de compagnie pour toi? 29. J'en ai plus, moi. Ou presque plus. Attends, on s'échange quelques pansements, parce que toi, t'en as 27. Non. Je te laisse crever. Moi, j'ai plus de balles. Non. Ah oui, bon, bah, voilà. Je peux te passer mon arme. Bah, ça va mettre une heure. Avec tiens. Ce... Merde. Allez d'accord, je suis monté dans le... Il y a une arme par terre. Bon, je comprends rien. Il y a des ennemis. On va avancer. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Il y a des vaches. Ah non, des chèvres. Ah, des chèvres. Mais bon, ce jeu est tellement mal fait qu'on dirait des vaches dedans. Et là, tu vises qui, là? Il y a des méchants pas beaux. Mmh. J'ai plus de... Je peux plus me soigner. Oh, il y en a trop, là. Viens m'aider. Putain, c'est pire que le boulette. Non. Tu crèves ou tu vis? Ah, tu crèves. Merci. Bon, allez, faut que j'aille chercher mon pote, là. Ouais. Oh. Faut que tu sauves Ragman aussi là, Rayman. Là. Sauve Rayman. Bah tu vois, j'ai plus de pansement de campagne. Avec Junior là? Ouais. Bah, Junior, il y en avait deux. C'est Chéri qu'on a ouais. 28. Ouais, mais attends, on peut pas lui prendre dans sa poche. Lui. Oh yes! On peut prendre. Bah il y en a deux. Ouais, mais non, mais c'est quelqu'un d'autre. Ouais. C'est Ragman. Rayman. Tiens, je t'en donne, Chéri là. Désarmer le piège. Ah, regarde ce que je fais. Tu désarmes le piège. Ouais. Moi, je te couvre. Et pourquoi tu me tires dessus? Il y a des méchants partout. Ah, là bon,
attention au piège, ok? Ça se trouve, il y a une mine sous la vache. Faites gaffe. C'est... Eh, je fais échange, il veut pas m'échanger. Là. Tu sais, tu fais échange et flèche gauche. Et là, regarde, fais triangle. Normalement, t'as une autre arme. Triangle. Et t'as, une... t'as un fusil d'assaut avec plein de balles. Oh. La magie de l'échange. Oups, ça bug. Est-ce que j'ai... Putain, j'ai déjà plus de trousse de soins. On peut sauvegarder. Ouais. Tiens, je vais te donner des trousses de soins si tu veux. Ouais. On va te souvenir. Je vais t'en donner une. Ouais, ouais. Merci, Cherry. T'es où, là? Je suis là. Là. Tu veux que je te souvienne? Comment on fait pour donner? Ouais. Attends, faut que je m'éloigne. Bref, c'est t'as donné à celui qui t'a traité de puceau. Os. T'as assez Ragman, c'est celui qui te respecte. Bah je t'ai soigné mais j'arrive pas à te les donner. Bah aïe attends. On peut pas les donner. Si attends, échanger là. Aïe moi il y a donné A. Attends. Voilà t'as donné A là. Une c'est deux. Deux. Voilà merci. Ouais, je suis gentil. Merci beaucoup Neuf. Ah, en plus là on est frais comme des gardons là. Ça c'est parti. Frais comme des puceaux. Son FPS, là, qu'est-ce qui se passe? Une chèvre! Oh, une chèvre! Nous n'allons pas rester! T'es sorti! J'espère qu'il n'y a pas de boss dans le jeu. Oh, purée! Le boss, c'est un super char! Blindé! Un super char conduit par une chèvre! C'est ça! Pour le coup, il n'y arrive pas à passer. Ah voilà, une petite passerelle. C'est intelligent. Bienvenue dans Far Cry 3. Far Cry 3. C'est vraiment Far Cry 3 en plus. Non, en plus, non. Putain, ouais. Ah bah voilà, je suis presque mort. En même temps, avec mon coup par coup, je peux pas faire des miracles. C'est quoi le bordel? Vas-y, Rayman, donne-toi. Je vous soigne. Mais pourquoi ils sont tout le temps junior là? Les cons! Putain, mais c'est vraiment le bordel là. Ce jeu. Bah oui, mais on est exposé là, faut qu'on se casse, casse-toi! Casse-toi! Bouge-toi! Voilà. Faut le tuer, faut le tuer! Qu'est-ce qu'il fait à tirer au-dessus? Il y a encore un mec au-dessus? Ah ouais. Putain, ah mais... voilà le shintop. Je baisse tous les jaunes. Ta mère finira en tôle. Ah bah y'a plus que le chapeau. C'est magique. Il a perdu sa tête. Oh putain de... Je comprends rien le jeu. Ah bon? Mais crève toi. Putain ouais, j'ai plus rien. Faut que je soigne tout le monde là. J'ai plus rien. Moi il me reste un pixel de vie donc c'est ce qui m'aide à marcher. Vous pouvez marcher, vous masturber et faire vos besoins. Et oui, tire. C'est un quoi ça? Ah, c'est qui ça? C'est bon, c'est soigné. C'est moi. Ouais. Coucou, c'est le tonin qui dit ça dans le jeu. Coucou! Puceau, viens! Merde, il y a une mine. Bon, il y a partout des mines ici. C'est incompréhensible. Mais en plus, elles sont pas assez brillantes pour qu'on les voit. On voit que dalle. Ça se trouve, en vrai, y a pas de mine. Ils ont pas réussi à modéliser une mine. Ça se trouve, c'est des plantes qui explosent. Ouais, c'est des plantes qui explosent. Moi, je pense que c'est plus ça, Firefly. T'as bien trouvé le truc. On pourrait analyser ce jeu pendant des années, je pense. C'est pas pour rien que Firefly est un campagnard. Attention, je suis devant. Réfléchis dans ta gueule. Je disais, il y en avait un à côté du bambou, là-bas. Il y en a partout, des bambous. Oh! Je suis avec mon Golden Fire, là.
Mais t'es dans ma... T'es dans ma ligne de mire là. Qu'est-ce que tu fous là? Je meurs. Putain, j'ai que des fusils de merde. Bon, par contre, j'ai des... T'as des trucs coup par coup. J'ai le pistolet M1911 à silencieux coup par coup. 1911. Ouais, c'est vrai. Ça porte bien son nom. C'est vieux. C'est poussiéreux. C'est un verre. Bon, alors, faut que je soigne mon pote. Et j'ai plus rien pour soigner. Mais il est où, hein, ce... Ah, c'est lui! Mais je l'ai soigné, ça lui a rien fait, c'est quoi ce bug? À la place, ça a soigné Chéri, je crois. Merci. Alors, j'espère qu'on va finir cette mission, ça sera très agréable. Alors que Chéri, il est bien devant. Mais j'ai pas trop compris le délire. Putain, je suis au coup par coup, moi, c'est vraiment ridicule. Vraiment, t'es en mode clochard, là. Ah, il y a un piège. Là, on voit enfin le piège. On voit enfin un truc. Quoi? Faut c'est tirer. Un piège, ça? Non, c'est un truc de téléportation. Il va pas dessus. Attends, on va tester. Ah, voilà. Ah, ça en a tué un devant. Non, attends, ça aurait été efficace, mon sacrifice. C'est un gros bordel. Si on réussit cette mission, je serai fier de moi. Au bout d'une heure de vidéo. Une heure? En effet. Bon, on est déjà sûr que personne ne verra cette séquence. Junior, il est où, là? Je sais pas. Il est derrière, je pense. Quand tu vois un noir, soigne-le. C'est lui, là, non? Ouais. Bon, là, je vous couvre avec mon coup par coup. Je pense pas qu'il y a de noirs bridés. Merde. Bon, bah là, on est dans une mauvaise posture, même. Hein? Comment ça se fait qu'il me reste que moi, là? Il explose. Parce qu'on a été sur une ligne, ou je sais pas quoi. Putain, mais... Attends, je vais le démarquer. C'est quoi ce jeu? Ah, j'ai plus de balles. Ça. Tu t'es soigné toi avant de soigner les autres? Oui. C'est pas bien. T'es pas mort. T'es juste con et blessé. T'es pas mort. Ah, la manette a vibré, c'est à dire que t'es vivant. Bon, alors je vais prendre mon meilleur tireur coup par coup. Et Fireflam, tu peux soigner Os aussi, parce que j'ai plus de pansement. Je vais mettre un quart d'heure à trouver Oz. Ah non, il est. Putain, mais. Le Shintok là! C'est un vie con, mon gars. Bon, alors, on va regarder s'il y a des ennemis. Attends, reste ici, Oz. En fait, faut qu'il y en a qui courent pendant que moi je regarde les mines. Pourquoi pas? Parce qu'avec mon coup par coup. Merde! Je vais pas courir avant. Je t'ai tiré dans le cul! C'est passé au bon moment. Ah oui, effectivement. Merde. Eh, j'ai plus de balles. J'ai plus que mon couteau. J'ai une balle à part. Bon, on va sauvegarder? Non. Ah, j'ai des mines. Munitions. Oh bah voilà, attends. Je vais changer contre ma mitrailleuse qui a plus de balles. Attention, je lance une grenade. Oh merde. J'ai été touché un peu, mais ça va. J'en lance une autre, attention. Oh putain. Oh merde. J'ai plus que ça de toute façon. Moi j'ai mon couteau, c'est tout. Oh des pansements, oui. Oui. Mon dieu. Oh des c'est grenades. C'est ma passion, les pansements. Des grenades fumigènes, on s'en fout, mais c'est pas grave. Je vais me sauver. Je vais vous soigner pour tellement que je suis heureux là. Tiens, soigner Chéri là. T'as soigné une deuxième fois Chéri là. C'est bon, j'ai une mitrailleuse là. Tiens, celui qui a le chapeau de Vietnam là. Le junior là. Où il se barre. Parce voilà, qu'il me suit, c'est un chien. C'est un petit chien. Putain, elle est super, c'est une grotte, c'est pas mal. Attends, faut sauvegarder la Firefly, on est trop bien parti là.
Mais fais gaffe un peu plus, je redémarre l'émission. Yeah. Redémarre l'émission. Ah. 30 minutes foutu en l'air. Bon, j'espère qu'on va réussir cette mission avant la fin de la vidéo, parce que ça dure longtemps cette vidéo, dis donc. On va pas plutôt arrêter la vidéo, vu qu'on sauvegarde. Si, et on fera. On finira la mission dans la partie 5. Et oui, faut s'y retrouver. Conflit Vietnam. À l'arbre. Putain, dégage de là!